Shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes à cette date aujourd'hui, n'est-ce pas, lundi 4 décembre 2017. Je suis à Paris, justement pour le programme de la convention de Paris, qui aura lieu à partir du 8, vendredi 8, samedi, n'est-ce pas, 9 décembre, ici, à Paris, en banlieue parisienne, district 6-7. Voilà, donc c'est vraiment une agence détaillée ce matin. Et d'ailleurs, nous sommes déjà à partir depuis le 1er décembre, nous sommes dans un moment de prière de jeûne, n'est-ce pas, pour cette transition, n'est-ce pas, pour très transition, afin que 2018 ne ressemble pas à 2017. Voilà, donc merci déjà pour ceux qui sont dans ce moment de prière, parce que c'est le spirituel qui fait le monde visible. Voilà, si vous ne préparez pas les choses sur le plan spirituel, ne vous attendez pas aux grandes choses. Voilà, ce n'est pas le 31 décembre que vous allez, n'est-ce pas, aller dans les églises prier. C'est maintenant que ça se prépare, les 10 premiers jours, n'est-ce pas, du mois de décembre, c'est là que se prépare la transition. Maintenant, à partir du 30e, c'est des proclamations. Voilà, voici la différence. À partir du 30e, nous avons des proclamations. Donc, nous sommes en train, n'est-ce pas, de dire au revoir en 2017, et certainement, d'autres personnes ont vécu des difficultés, d'autres personnes ont eu peut-être des projets qui n'ont avorté, d'autres personnes ont eu des choses qui n'ont pas abouti. Voilà, donc, c'est pour vous une occasion maintenant de parler à Dieu. Voilà. On lui recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Recommande ton sort. Ce sera que ceux qui sont déjà dans ce moment de prière, gloire à Dieu, je crois que 2018 sera pour vous une année de gloire. Parce que c'est une année d'explosion, n'est-ce pas, dans tous les domaines. Dans le domaine financier, dans le domaine économique, dans tous les domaines, ça sera vraiment une explosion. Dieu va positionner les gens, Dieu va bénir les gens. Alors, pour ceux qui déjà me posent des questions, quelles sont les prières, effectivement, que nous devons avoir? Regardez dans le livre, mon tout dernier livre, j'ai ce qu'on appelle la prière de l'avortement. C'est-à-dire pour que le diable avorte, n'est-ce pas, pour que le diable te restitue ce que, n'est-ce pas, il t'a volé. Il faut que le diable te restitue. Donc, ce qu'on appelle la prière de l'avortement des œuvres de la sorcellerie. Vous regardez dans le livre, mon tout dernier livre, le tome 1, de connaître et détruire les œuvres de la sorcellerie. Et vous faites cette prière, n'est-ce pas, de 1 heure. À 4h30 du matin. Vous faites cette prière de 1h du matin à 4h30 du matin. Voilà. Pour ceux qui, n'est-ce pas, n'ont pas encore eu ce livre, vraiment appelez Maman Bessoura. C'est à cause de vous, vraiment, on a réduit le prix du livre. C'est maintenant le livre à 50 euros. C'est un livre vraiment de pointe. Il y a beaucoup de bonnes choses dedans. Et en même temps, ceux qui n'ont pas encore peut-être ce livre, qui aimeraient, n'est-ce pas, prier, avoir des moments, des sujets de prière, vous priez simplement pour que le diable vous restitue, n'est-ce pas, ce qui vous a volé. Et vous priez d'abord pour vous sanctifier, vous demandez pardon au Seigneur par rapport à vos faiblesses, vous demandez pardon au Seigneur pour ce que vous avez fait, qui a déplu au Seigneur, et dites au Seigneur, vous prenez l'engagement de marcher avec lui maintenant désormais, et aller avec lui, n'est-ce pas, dans les noms de la gloire, de l'obéissance à sa parole, et que le diable vous lâche, voilà. Et en fait, que ceux qui, n'est-ce pas, qui étaient assis sous vos bénédictions puissent les lâcher, afin que vous puissiez rentrer pleinement dans la gloire de Dieu. Et en même temps, demain, par la grâce de Dieu, je ferai une vidéo en direct. Demain, par la grâce de Dieu, à partir de 11h, 11h, temps universel. Demain 5, mardi 5, depuis Paris, je ferai encore une direct où j'aurai donc l'occasion de donner des enseignements de pointe concernant ce jeûne. Maintenant, j'invite tout le monde. Vous voyez, c'est la première fois, n'est-ce pas, donc, depuis que je suis dans le ministère, que je fête, n'est-ce pas, la nouvelle année avec vous, parce que ça a été inspiré par Dieu. Voilà, donc ne manquez pas ce programme de taille. Nous allons ensemble parler, nous allons ensemble prier, parce qu'il y a des gens que Dieu a point, il y a des gens qui ont eu cette conscience de Dieu, n'est-ce pas, pour aider des personnes à entrer. Vous savez, c'est les prophètes que Dieu a envoyés parler aux uns des hommes les plus importants. Voilà, les êtres les plus importants. L'onction qui est sur ma vie, c'est de vous aider à rentrer pleinement dans la gloire, et en fait que l'esclavage spirituel dont vous êtes en train de subir, dont le diable vous a imposé, soit brisé, que vous ne soyez pas esclave de la pauvreté, de la maladie. Donc le rendez-vous est pris pour le 8 et le 9, ici à Vitry-sur-Seine. Frère, je vous dis, les absents auront tort, parce que ce sera quelque chose de très balèze. Une onction spéciale sera dans la salle, et la gloire de Dieu se manifestera, et les malades seront guéris. Je vous précise très bien, les malades seront guéris. Il aura la gloire de Dieu dans la salle, il aura la manifestation de l'onction. Voilà. Et puis j'ai fait appel aussi à ceux qui ont besoin de rentrer dans un ministère de délivrance, qui veulent bien entrer dans un ministère de délivrance. Voilà, donc vous appelez Maman Bessoura, et j'ai tenu à dire Emilienne, Amélie, quoi, une de mes filles, qui à chaque
et tout le comité d'organisation, nous aurons une réunion à partir de, n'est-ce pas, vendredi, entre midi et 14h, ici à Paris, n'est-ce pas, pour organiser encore. Et je suis Shalom à ceux de la Suisse. Le rendez-vous est pris. Les Camerounais, vous avez vu ce qui s'est passé, une femme est en train de danser le domolo. Elle est tombée en pleine scène. On peut comprendre que peut-être que c'est un truc physique, mais moi je vois que c'est un peu mystique. Voilà, c'est mystique. J'arrive à Zurich, j'appelle tous les Camerounais, tous les Centrafricains, tous les Ivoiriens de Zurich. Nous serons en Suisse pour vous aider à partir du 16, n'est-ce pas, du 15, 16, 17, 18. Voilà, 18, nous serons à Zurich. Déjà, moi j'arrive le 14. Voilà, 14, nous allons préparer. À partir du 16, 17, 18, nous serons à Zurich pour vous aider spirituellement parlant. Voilà, donc la convention n'en est pas ratée. Voilà, j'ai fait appel à tous mes fils spirituels, tous mes enfants spirituels ici à Paris. Voilà, nous allons entrer dans la nouvelle année et j'ai besoin de tous mes enfants spirituels et j'ai besoin de l'Église de Dieu. Parce qu'on a besoin de vous donner les secrets, parce que 2018, c'est un déclenchement ici. Le diable, les œuvres de l'Antéchrist, où il y a l'occasion de comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne les chiffres, les vaccins, que les gens veulent imposer aux enfants. Vous allez comprendre aussi pourquoi les gens veulent fermer les églises réveillées, les mosquées, les églises réveillées, parce que les gens veulent fermer aussi les mosquées et les églises réveillées, et veulent donner officiellement ouverture officielle de l'église de Satan ici à Paris. Donc, vous aurez l'occasion de voir des secrets qu'on va vous partager pour que l'église de Dieu soit préparée, n'est-ce pas, déjà à la présence de l'Antéchrist. Voilà, shalom à vous et que Dieu bénisse.